Je suis la Baronne. Ce que je veux vous dire, je suis dans ma chambre, c'est dans la cuisine. Si, c'est dans la chambre. C'est pour vous dire que... le mariage qu'il y a eu, là, avec la dame, c'est un mariage qui était fait, organisé par la famille, fabriqué pour causer quelqu'un, parce que la personne n'était pas capable de se trouver quelqu'un dans la vie. Elle n'était pas capable de faire des démarches pour aborder une femme, pour avoir des relations sexuelles avec une femme normale. Encore moins avec des hommes. Donc, elle n'était pas à la bonne place. Puis après ça, réparer la vie de l'autre femme. Puis après que sa vie était réparée un peu, puis que ça commençait à aller un peu mal, elle est partie avec donc. Elle l'a quitté parce que c'était en jeu. Aussi. Faut pas vouloir à personne dans ça. Il y a des situations dans la vie, que des séparations, des divorces, puis on met pas la faute à personne. Donc, elle avait son tort de ne pas être un gars. Mais c'était pas de sa faute. On le présentait comme un gars dans sa famille. C'est normal que personne n'ait été déçu. Elle a fait confiance à sa famille. La famille a dit, c'est un gars, il est malade, détraqué. Ils l'ont envoyé en psychiatrie, puis ils ont choisi un bon psychiatre qui était chef de la psychiatrie. Puis un membre de sa famille le connaissait très bien. Puis on a eu des conversations ensemble. Puis lui a dit, jamais je signerai pour que tu deviennes une femme. Alors, de toute façon, ils ont donné des médicaments, mais pas eu des anti-anxiétés, des antipsychotiques. Mais à l'époque, la psychose qu'elle faisait la peur du démon. La peur de Dieu qui l'envoie en enfer, peur du démon. Psychose. Donc, c'était très grave, en plus, le désir de changer son sexe. Encore aujourd'hui, c'est associé, même à la transgénie, que quelqu'un est dysphorie de genre, c'est associé à la psychose, schizophrénie. De loin ou de près, il y a toujours des contacts qui se font assez rapprochés en ces deux diagnostics-là. Donc, le diagnostic de schizophrénie m'a fini par me retomber dessus. Même tout récemment encore, j'étais surprise. Moi qui viens de l'espace, qui n'ai jamais connu la psychiatrie, j'arrive ici. On me dit, toi, t'es où je go? T'es pas une Navarona. Et on constate, d'après le dossier qu'on a, t'es schizoaffectif, bipolaire. Bipolarité. C'est pas des hauts, c'est pas des bas, tu fais pas de dépression, c'est pas des états maniaques non plus. Alors, on revient pas chez les médecins, on les jugera pas non plus. Mais pour vous dire que ce mariage-là, l'Église catholique l'avait consacré. Cette dame-là, je suis pas certaine, d'après certaines mémoires que j'ai vu sur l'ordinateur de Louis Hugo. Cette femme-là, autour des années 2000, est allée payer pour aller au tribunal ecclésiastique pour faire rendre nulle la nullité de ce mariage-là parce qu'elle avait affaire à quelqu'un qui n'était pas dans le bon sexe. Après un an et demi, deux ans, ils ont trouvé que le mariage était nul, mais elle, pour des raisons monétaires, soi-disant, parce que le prêtre a dit à Louis Hugo à l'époque que la dame avait besoin de son argent à retirer ses chèques, à demander ses chèques. Donc le mariage est resté. Mais après le droit canon, quand même, ce serait deux femmes qui seraient mariées ensemble, si c'est marié, ça ne s'efface pas. Tant qu'on ne paye pas pour. Donc, une question monétaire, parce que le droit canon, c'est comme un système de justice
que par rapport directement à la religion catholique. Oui, puis non. C'est-à-dire qu'il y a comme une cour, il y en a qui sont pour que le mariage soit inassuré, d'autres sont pour que le mariage soit nul. Donc, tant que les prêtres qui veulent que ça continue, ça continue. Puis une des raisons principales, c'est quand c'est pas payé, ben ça coûte cher cette cour-là. Ça paye les gens. Ça coûte entre 3 000 et 5 000 $, je crois. Puis vous ne croyez pas toi dans le dossier, parce que celle qui a ouvert le dossier, c'était la femme qui avait été donnée. Donc, c'est vraiment encore en vigueur aujourd'hui. Alors, tu es une femme, tu es en planète, tu es enceinte, tu as des enfants sur la planète, tu arrives, on dit que tu es loin de gros, tu es psychiatrique, tu deviens psychiatrique. Il n'y a pas de psychiatrie sur les autres planètes. Il y a des trucs qui existent, mais pas de psychiatrie comme ici. Ça n'existe pas. Tu arrives ici, on dit, tu es psychiatrique, tu es sur la planète, c'est psychiatrique, tu es né. T'es né dans le mauvais sexe, t'es ensuite changé, puis tu continues à nous assommer de tout ça, de maudites cochonneries. T'es un danger pour la société, pour toi, pour les autres. On t'enferme, puis on passe devant la cour, que n'importe quand on peut aller te chercher, puis t'enfermer le temps qu'on veut, jusqu'à 2 ans, puis de 2 ans en 2 ans. Puis on te drogue, on essaie tous les médicaments qu'on veut sur toi pour te finir. Malheureusement, le système législatif fonctionne comme il faut là-dedans pour les médecins qui abusent du système en disant cette personne-là est schizophrène. Alors le juge n'a pas d'autre choix, c'est oui, on va adhérer à ça. Alors, ma vie est arrêtée, j'aurai jamais d'homme dans ma vie. Avec tout ce qui a été dit, tout ce qu'on dit sur mon compte, c'est pour être parano. Écoutez, ça n'arrive pas tous les jours. Quelqu'un qui change avant sa naissance, soit sa naissance, qui change deuxième fois, qui fait ça elle-même. Moi, j'ai pas fait ça. Non. Sur une autre planète, j'ai eu des enfants. J'ai fait finir tout ça par un médecin, un chirurgien compétent, le docteur Pierre Brassard. Qui a les meilleurs chirurgiens dans la reconstruction de réassignation sexuelle de homme à femme puis de femme à homme. Alors, je me sens quand même bien dans ma peau, sauf que sans le regard des gens, sans être parano, le regard, ça dit beaucoup.